Notre propos n'est pas de ressouligner, si tant est que ce soit nécessaire, l'importance du digital ou du numérique. Il est devenu assez commun, en effet, de faire référence à Michel Serres, qui parle de révolution numérique, dans son ouvrage « La petite poussette ». La démocratisation du numérique dans la société civile est naturellement, et tout le monde l'a observé, la source d'un certain nombre de transformations comportementales qui sont importantes. Nous n'allons pas en dresser ici le panorama, simplement nous allons souligner un certain nombre de points qui nous paraissent importants au regard du sujet que nous traitons dans ce MOOC. Le premier point, paradoxalement, c'est le 2.0. Alors qu'est-ce qu'on met derrière cette idée de 2.0 ? D'une part, la démocratisation de l'utilisation du digital, donc c'est plutôt dans la démocratisation qu'il se passe quelque chose, et d'autre part, le développement massif des réseaux sociaux. Alors le premier effet de ces deux caractéristiques, c'est d'avoir transformé chacun en non plus en consommateur d'information, mais en producteur d'information, c'est-à-dire des consommateurs. Et le 2.0 est de ce fait devenu une sorte de symbole de société, de l'échange et de la communication. Cette logique d'échange qui prévaut sur les médias sociaux constitue le trait distinctif de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui le 2.0, marquant ainsi une rupture avec une ère informatique précédente que l'on a, et ultérieurement, ce qui est paradoxal, baptisé 1.0, c'est-à-dire une ère dans laquelle le citoyen consommait une information qui lui était donnée, plus qu'il n'échangeait avec d'autres celle qu'il produit. Des échanges, des interactions permanentes, constitutives d'une postmodernité, que Michel Maffezoli décrit notamment comme un passage de la verticalité à l'horizontalité, mais également des réalités que l'on pourrait qualifier d'exponentielles et des comportements individuels, comme le narcissisme des selfies par exemple, qui arborent tous les traits de l'hypermodernité décrite par Gilles Lipovetsky. En d'autres termes, la révolution numérique apparaît comme l'un des déterminants, comme la conséquence, ou à tout le moins comme un symbole, de la fin d'une ère. Le digital, par les transformations dont il est à l'origine dans la société civile, ou du moins celle à laquelle il a contribué, est dans nos esprits ou dans notre imaginaire collectif un symbole de la coopération. Alors, les entreprises s'emparent de la question du digital comme principal déterminant des transformations qu'elles souhaitent, c'est-à-dire vers des organisations plus agiles, des organisations où l'horizontalité de la prise de décision l'aurait emporté sur la verticalité de nos modes d'exercice du pouvoir. Bref, une entreprise dans laquelle la coopération serait devenue beaucoup plus naturelle. Le digital est aussi devenu le symbole d'une entreprise agile, d'une entreprise innovante qui rompt avec les modes d'organisation en silo, dont on connaît à la fois les limites en termes de business, que nous avons évoquées dans les précédentes séquences, et également les effets pathogènes sur les collaborateurs. Cette remarque du digital devenu un symbole est importante pour deux raisons. La première, c'est que ça nous laisserait croire finalement qu'on passe d'un monde 1.0, un monde vieux, triste, en noir et blanc, vers un monde tout d'un coup 2.0 où la coopération sera naturelle, et surtout un monde qui pourrait s'affranchir des contraintes de la productivité. Et puis la deuxième raison, c'est de penser que la technologie se suffit à elle-même et que par conséquent, elle pourrait s'affranchir du facteur humain, qui en est pourtant l'un des déterminants principaux. Nous reviendrons sur ce deuxième point au travers de l'exemple du knowledge management dans les années 90 qui nous livre de nombreux enseignements. Faisons un focus rapide sur l'engouement pour le knowledge management dans les années 90 pour mieux saisir l'importance de cette seconde remarque. L'informatique a toujours joué un rôle essentiel dans ce qu'il est convenu d'appeler le management des connaissances, dont la portée était présentée comme relevant de la stratégie dans les années 90, vraisemblablement en partie sous l'effet combiné des efforts technomarketing habiles de l'offre et de la conviction de la demande qu'elle entrait irréversiblement dans une économie du savoir. L'informatique, qui manipule des données, est par nature l'un des socles du knowledge management. Les premières générations de knowledge management, essentiellement articulées autour de l'utilisation de bases de données relationnelles, parfois directement nourries par des outils de production d'ailleurs, se sont rapidement heurtées à deux difficultés. La première difficulté, c'est que de la notion de data, de données, à celle d'intelligence, a fortiori si on parle d'intelligence collective, il y a un pas qui ne se franchit pas si facilement que ça. Et deuxième raison, c'est parce qu'une part importante du savoir ne peut pas être si facilement formalisée. Un pas fut franchi vers le milieu des années 90 grâce à la popularisation dans le monde des affaires des travaux de Nonaka et Takeuchi et de leur modèle de transformation de la connaissance tacite plus connu sous le nom de spirale des connaissances. L'une des dimensions essentielles de ce modèle, la socialisation, a rencontré alors l'essor des technologies issues de l'Internet dans les entreprises. La découverte des possibilités qu'offraient des outils d'échange, synchrones ou asynchrones, comme les chats, les forums, souleva l'espoir, enfin, de pouvoir toucher le graal de la transmission des savoirs tacites. L'essor dans les entreprises des communautés internes, s'inscrivait dans cette dynamique. Elle montra malheureusement assez rapidement ses limites au point où ce qu'on pourrait appeler le soufflet du knowledge management retomba au milieu des années 2000, car la coopération est loin d'être si naturelle que cela.
En rapide résumé, le knowledge management a eu des ambitions qui ont été fortement portées par les technologies et leurs potentialités dans les années 90. Et pourtant, il s'est heurté aux facteurs humains, dont on sait pertinemment que c'est l'un des facteurs essentiels de toute forme d'intelligence collective. En résumé, derrière ce vocable de transformation, on peut simplement distinguer cette recherche d'intelligence collective qu'ont toutes les entreprises depuis la nuit des temps, et ce, quels que soient les mots employés. Intelligence collective, organisation apprenante, entreprise agile, knowledge management, qualité totale, etc. En résumé, il ne fait aucun doute que le digital joue un rôle absolument déterminant. Mais contrairement à ce que pourrait nous laisser croire le courant du déterminisme technologique, ça n'est pas le seul déterminant puisque le facteur humain joue un rôle absolument important dans cette quête d'intelligence collective qui est l'objet de la transformation dont nous parlons ici. Alors pour essayer de comprendre néanmoins en quoi le digital joue véritablement un rôle, nous aborderons l'ensemble de ces éléments dans la prochaine séquence.